حقا والأمان لجميعكم. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations, j'ai décidé de t'écrire. Nous, chrétiens, nous avons ce que nous appelons la parole de Dieu dans nos maisons. Cette parole de Dieu dans nos maisons, on est fiers de l'acquérir, de la voir. Et des fois, on ne se rend pas compte que pour que nous puissions la voir dans notre maison, elle a dû parcourir des siècles pour arriver telle qu'elle est aujourd'hui entre nos mains. Certains qui ne sont pas chrétiens s'appuient sur des paroles qu'ils considèrent comme paroles de Dieu, pour s'attaquer à la foi chrétienne en disant « Votre Bible, votre évangile est faux ». Frères et sœurs, cette parole de Dieu qui a traversé le temps n'est pas entre nos mains par hasard. Et s'il y a tel livre, mais pas tel autre livre dans cette parole de Dieu, ce n'est pas non plus un hasard. L'Église, à travers le temps, a décidé quel livre conserver et quel livre ne pas retenir. Comme disait Luc, il y a beaucoup qui ont entrepris d'écrire, mais tout le monde n'a pas été publié ou retenu par l'Église. Si nous voulons approfondir notre foi, il est nécessaire de connaître notre Bible et de savoir acheter sa Bible. Je n'achète pas une Bible n'importe comment, n'importe quelle version. Quand vous achetez votre Bible, vérifiez bien que l'Église a mis son accord pour que cette Bible soit vendue. Et il y a beaucoup de Bibles dans le commerce, mais toutes les Bibles n'ont pas le tampon de l'Église, entre parenthèses. Première remarque. Luc a vérifié les informations avant d'écrire. Nous avons tous des informations qui viennent de partout, surtout dans le monde des réseaux sociaux. Est-ce que nous vérifions les informations avant de le relayer? Bonne question. Deuxième message, ce que nous apporte la Bible aujourd'hui. Dans la Bible d'aujourd'hui, il y a beaucoup de joie. Et on a de la chance, il y a des serviteurs d'hôtel derrière moi, qui, avec leur visage souriant, nous aident aussi à entrer dans cette joie. Oui, frères et sœurs, la Bible, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle nous apporte la joie. Alors, quelle est cette bonne nouvelle d'aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu. Nous, chrétiens, nous avons décidé de garder ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Certains disent, mais c'est le livre des Juifs, pourquoi nous le gardons? Gardons seulement Jésus et ses histoires. Aujourd'hui, nous comprenons un peu le sens d'avoir conservé les passages de l'Ancien Testament. Nous avons lu l'apparition faite à Abraham et à Sarai, qui est devenue Sarah plus tard. La femme d'Abraham, âgée et stérile, qui va donner Isaac grâce à Dieu. Nous avons, dans le Nouveau Testament, lu l'histoire de Zacharie et Élisabeth, un couple âgé dont la femme avait honte parce qu'elle était stérile. Elle avait honte. Zacharie a été réduit au silence.
Résultat, il a fait un magnifique cantique que nous pouvons lire quelques passages plus tard dans la Bible, dans le livre de Saint-Luc. On appelle ça le cantique de Zacharie, et dans l'office religieux de l'Église catholique romaine, dans l'Église latine, il le prie tous les jours. Élisabeth, elle a gardé le silence, elle s'est cachée pendant 5 mois. Un auteur libanais francophone qui s'appelle Alexandre Najjar explique que ce passage-là était nécessaire pour Élisabeth. Une personne âgée, on ne pouvait pas la croire si elle aurait dit à ses voisins, sa voisine, « Oh, j'ai eu une apparition, je vais avoir un enfant. » Elle a attendu que son ventre devienne bien rond pour aller montrer ce que Dieu a fait, pour aller témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Et il a enlevé ma honte. Frères et sœurs, chers étudiants, nombreux étudiants parmi nous, dans ce passage, c'est Jean qui va redonner l'honneur à sa famille. Frères et sœurs, nous sommes l'honneur de nos parents. N'oublions pas ceci. Si la situation au Liban est difficile, peut-être que nos parents espèrent qu'on puisse réussir autrement, sortir de la fournaise, comme on dit, pour être l'honneur de sa famille, la réussite de la famille. N'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Chers parents, rappelez-vous que vos enfants sont votre honneur aussi. N'oubliez pas de leur rappeler combien vous êtes fiers d'eux. Au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Ikhouti al-ahabba ma rah tawil ba. Bas l'injil el-yom tawil ma twakhzouni. Al-tarkiz mhem l-kitab al-muqaddas man katab haya Allah w hayda bizakkirna ya l-injil. Ba mish min ma kan tarjam injil aw kitab muqaddas ma'nata hayda mazbout. Nitakkad lama nishtri kitab al-muqaddas enno l-naskha li bayn idayna mwafaq alayha l-kniisa. Wahed, tnayn. الإنجيل بيقلنا ما في شيء مستحيل للرب وربنا بيستجيب طلباتنا قد ما يتأخر شو ما كان الوقت ربنا بيستجيب والليتورجية اللي عايشها اللي زكري وفيها ظهر الرب اليوم عم نعيشها اليوم وبيظهر الرب علينا بقى خلينا منتبهين ومفتحين عيوننا منيح ونسمع منيح بدينينا الصلوات والتراتيل الحلوة ونتذكر أن أولادنا ونحن أهلنا نحن مجد أهلنا وأولادنا هن مجدنا كمان للرب المجد للأبد آمين نؤمن بإله واحد آب الله خالق السماوات خالق ما يرى وما لا يرى